I, femme. I. Certaines femmes d'aujourd'hui, il y a un temps. I. Ouais. Ouais. Du genre, il y en a certaines parmi elles qui ne calculent pas du tout, les gars. Qui ne calculent pas du tout, du tout. Même un tout petit respect, même là. Il n'y en a pas, quoi. Un tout petit respect comme ça, il n'y en a pas. Hey! Ton petit ami. Ouais. Celui qui, à chaque fois que tu as un petit souci financier, là, c'est devant lui, tu t'en vas exposer ça. C'est lui qui te sort de certains trucs financièrement. Et le petit, le plus petit des respects, tu ne peux pas lui... Non, ne soyez pas surpris de vous. Voilà. La raison pour laquelle je suis en train de dire ça. Si je vous raconte tout ça, là, vous allez être choqués. Vous allez choquer. En tout cas, soyez tous les bienvenus dans cet épisode de Hello Talk. Vous connaissez déjà le nom Jules, a.k.a. Young Zoc. M'a raconté mon ami. L'eau, c'est la vie. Ouais, c'est gâté sur la toile et sur voilà, Instagram, sur Facebook, sur TikTok et tout, c'est gâté. Il y a une vidéo qui circule, une vidéo dans laquelle... Quand j'ai regardé la vidéo, j'avais mal, on dirait, c'était moi, quoi. Non, j'avais mal, on dirait, c'était moi. C'est quoi exactement? C'est la vidéo dans laquelle on voit une fille... Du genre, une fille est partie à un concert avec son gars. Voilà. Voilà, c'est l'histoire-là qui prouve à quel point il y a certains gars qui n'aiment pas aller à certains, ou bien aller au concert avec leur copine, quoi. Et oui, oui, vous allez me donner raison à la fin. Le gars a pris sa copine, sont partis à un concert de l'artiste nigérien qu'on appelle Omalé. Vous connaissez Omalé? Voilà. Ils sont partis à l'un de ses concerts. Vous savez très bien que très souvent, quand les artistes sont sur scène et puis tout, voilà, il arrive des moments où les artistes invitent des filles, surtout les artistes garçons invitent des filles pour monter sur la scène, sur le podium, danser, tout ça, là, faire des trucs là. Voilà, on a été nombreux ici à voir et fallait pour pas éviter le contact entre lui et une fille qui voulait danser contre lui et tout ça. Là, on était tout contents. Voilà. Mais Omalé, si on doit citer Omalé, Taïk, Rema, Osubon quoi, waouh. Eux, quand ils sont sur scène et puis ils invitent une go là, si c'est ta go, il faut commencer par pleurer en même temps parce que ils vont la serrer, ils vont la coller, ils vont bien la coller. Et c'est le cas dans ce cas-ci. Toi, tu es parti au concert avec ton gars. On demande à une fille de monter sur scène. L'artiste demande à une fille de monter sur scène. C'est pas que ton gars n'est pas au concert. Hein. Tu étais juste à côté de ton gars comme ça. Hein. Et la fille est montée sur scène avec. Mesdames et messieurs, la fille est montée sur scène avec Omalé, l'artiste en question. Il fallait voir la danse. Fallait voir la danse. Les gars, j'étais vraiment écœuré. J'avais mal. Réellement, j'avais vraiment mal pour le gars. Parce que la fille dansait avec Omalé, on dirait pas qu'elle était en couple. Même si elle était en couple et le gars n'était pas venu au concert, on aurait compris. Le gars était là au concert, présent. Présent. Le gars était présent. La fille est montée sur scène avec l'artiste. Et puis, fallait voir la façon dont la fille était en train de danser avec Omalé. Mes gars, la façon dont la fille était en train de danser. Hey, regardez. Yeah.
Vous avez vu le gars? Il ne faisait que secouer sa tête, quoi. Il ne faisait que secouer sa tête. Genre, c'est pas qu'il n'était pas là. Il était là. Genre, la fille ne l'a pas calculé, quoi. La fille l'a complètement ignoré. La fille, le tout petit respect qu'on peut avoir pour quelqu'un, bien pour son petit ami, la fille ne l'a même pas, quoi. Genre, tout le monde là-bas, si quelqu'un a pu les filmer comme ça, c'est que tout le monde là-bas, à l'alentour là-bas, savait qu'elle était venue avec un gars qui était son copain. Et pourtant, elle est montée sur la scène et dansait comme ça avec Omalé. Ouais. 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 Le respect a pris la clé des portes. Hein. Le respect s'est enfui par la fenêtre. Oui. Même le minimum, elle n'en a pas eu pour le gars. Le minimum, mesdames et messieurs, elle n'en a pas eu pour le gars. Le minimum. Sont en train de souffrir. Oh. Ah ouais, les gars sont en train de souffrir et quand c'est comme ça, on n'en parle pas trop. Voilà, les féministes n'en parlent pas trop. Comment est-ce que tu peux partir un concert avec ton gars et l'ignorer et lui manquer du respect comme ça? Oui, c'est Dieu, manque du respect. Elle l'a pas calculé. Elle l'a même pas considéré. La valeur du gars, c'était à moins l'infini à cet instant T. C'est même pas zéro, hein, c'est moins l'infini, mes gars. Comment est-ce que... Et puis le gars, à la sortie du concert, fallait voir le gars. Il y a des cas, on était seul sur la route. On dirait la chanson de Asake. Lonely are the top. Cette fois-ci, c'est pas lonely are the top. Hein. C'est lonely on the road. Lonely, lonely, lonely. Oui, parce que avec toute cette humiliation là, je crois pas que... Je ne sais pas comment la fille va essayer de s'expliquer. Je ne sais pas comment la fille va essayer de le convaincre après pour qu'ils reviennent ensemble. Parce que là, pour moi, c'est fini, quoi. Oui, si tu parviens à me faire ça, à me manquer du respect, à m'humilier comme ça, en public, aux yeux du monde entier, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Voilà la vidéo qui circule. Genre, le monde entier sait que Margot m'a fait ça à un concert. Genre, les gens peuvent me reconnaître dans la rue pour dire que voilà le gars à qui la Goa a mis la ronde la dernière fois au concert de Omalé. Regardez la façon dont le gars est en train de marcher. Dans la rue. Ouais. En train de marcher, on ne sait jamais. Il va être en train de parler seul, en marchant comme ça, parce que c'est la honte, quoi. Ça, c'est lonely. I am so lonely. Même, et qu'on ne peut pas chanter pour convaincre, pour adoucir le cœur de ce gars-là. Parce que là, c'est humiliant. Non, quelle humiliation. Non, c'est humiliant. C'est le respect, genre, zéro, moins l'infini. Hein, moins le respect, en balio, et bou. Oh, Seigneur, quelle humiliation. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation. Maintenant, vous comprenez pourquoi si certains gars deviennent des fuckboys, des players, je veux dire, des... Si certains gars ne vous prennent plus au sérieux, vous les filles, vous comprenez maintenant, non? Parce que ce gars-là, la façon dont la Gola l'a géré, là. Vous pensez que quand ce gars va guérir, parce que là, il a mal. C'est une trahison en live comme ça, une trahison, un manque de respect. C'est comme si elle l'a trompé, genre, devant lui comme ça. Ah oui,
La douleur est à ce niveau-là, même plus, parce que c'est devant lui comme ça, Gbangbalke vis-à-vis devant les clients. Oh Seigneur, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés, quelle humiliation. Ce gars-là, quand son cœur va guérir un peu et puis il va essayer de se mettre avec une goutte, vous pensez vraiment qu'il va être sérieux? Vous pensez vraiment que ce gars-là va être sérieux? Non, vous pensez qu'il va encore faire du sérieux avec une go? Je ne pense pas qu'il va faire du sérieux jusqu'à amener une autre go à un concert encore. Non! Non, 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 non. Mougou pas un quoi. Non! Maintenant, vous comprenez pourquoi certains gars ont du mal à être sérieux avec certaines go. Oui! Parce qu'ils ont souffert entre les mains des gars. Parce qu'ils ont souffert, ils ont traversé des choses. S'ils vous racontent ça, vous allez dire, ouais, mon frère, tu as raison. Ouais, mon frère, tu as raison de faire ce que tu es en train de faire. Oui, parce qu'ils ont tellement souffert. Ils ont souffert. Comment est-ce qu'on peut mettre la honte sur un gars comme ça, un smoro comme ça? Aux yeux du monde entier, voilà la vidéo qui circule. Voilà. Aux yeux du monde entier, elle a mis la honte. La honte qu'elle a mis sur le gars-là, c'est pas... Non. Ce gars-là, ah, maintenant c'est frappé, frappé. Hein. Non, c'est frappé, frappé. Ouais. Parce que ce que les gens racontent, que c'est vraiment Sago, si c'est vraiment Sago, qui est parti lui faire ça? Oh, lonely on the road. Oh Seigneur, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, nous sommes humiliés, quelle humiliation. Mesdames et messieurs, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que, quelle serait ta réaction si c'était toi, si tu étais ce gars-là, si c'est à toi, Tagoua fait ça, quelle serait ta réaction? Est-ce que tu serais capable de reprendre cette go-là quand il viendra vers toi pour essayer de te convaincre? Pour essayer de te convaincre que, comme quoi, bon, c'était rien, c'était juste une danse et tout. Vous-même, vous avez vu la danse. Si Tago, si c'était toi et Tago revenait pour demander pardon et tout ça, tu vas faire quoi? Tu vas l'accepter? Quelle serait ta réaction? Comment est-ce que... En tout cas, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Jules et Kiyong, je passe. Dis-popil, l'homme. Là, 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 là. Maladie du cœur. En tout cas, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, on se dit, hein, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Salut, salut. Bam, quoi. Ça, c'est... Hey, ça, c'est un autre level, hein.